Atali boson ya trip
Merci Seigneur. À toi seul la cimère. Papillon Zamba. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 les enfants de la guerre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez, que Dieu vous fasse du bien. Si vous êtes en deuil, bien-aimés, que Dieu vous console, puisqu'il est le consolateur des cœurs brisés. Si vous avez des problèmes, il s'appelle la solution. Donc nous présentons nos condoléances à nos bien-aimés qui ont perdu un être cher. Laisse que Dieu puisse vous consoler. Bon anniversaire à ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire. Ma pensée est tournée vers notre clavériste, le frère Joss. Frère Joss, bon anniversaire à toi. Aujourd'hui, c'est ton jour.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Bon anniversaire à tous les enfants de la guerre, partout où vous êtes, dans le monde entier, bien-aimés. Ma prière est que s'il y a quelqu'un parmi nous qui a des soucis, qui a des problèmes, que c'est Dieu que tu es en train de chercher ce midi, puisse te donner la solution à tous tes problèmes, bien-aimés, qu'il puisse te consoler. Bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur très très fort. Acclamons le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Jésus. Acclame Jésus. Dis-lui bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Puisqu'il gagne toujours, il gagne toujours. Dis-lui bravo, bravo, bravo les champions. Bravo, bravo. Donnez des cœurs, donnez des likes, beaucoup de cœurs, beaucoup de likes. Bravo, bravo à notre champion. Yeah, 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 yeah. Que Dieu te bénisse, ma sœur Bibille. Que Dieu te bénisse, bébé K, moi, dans les Tumba. Que Dieu te bénisse, Jefté, Molong, dans les Tumba. Que Dieu te bénisse, Mama Siska Kimia. Que Dieu te bénisse également. Que Dieu bénisse vous tous qui êtes connectés, même ceux qui vont se connecter après. Que Dieu puisse les bénir. Bien-aimés, voilà. Alors, n'oubliez pas de faire le travail, l'œuvre de notre papa. Vous connaissez comment faire l'œuvre de Dieu, bien-aimé, puisque la Bible dit « Il est temps que je m'occupe des affaires de mon père ». Donc, commence déjà à t'occuper des affaires de ton père. Commence à t'occuper des affaires de ton père. Voilà. Occupe-toi des affaires de ton père, bien-aimé, en partageant notre direct. Occupe-toi, bien-aimé, occupe-toi des affaires de ton père, comme la femme samaritaine, comme Jésus-Christ lui-même. Commence à partager dans des groupes Facebook, dans des groupes WhatsApp, en taguant les amis. Partage même, bonjour, évangéliste Mimi la gloire. Bien-aimé, occupe-toi des affaires de ton père, d'une manière ou d'une autre. Tague les amis. Invite les bien-aimés à venir nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, mes bien-aimés, j'ai bon d'arrêter un peu sur le séminaire que nous avons commencé sur les limites, la destruction des limites. J'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté, bien-aimés? C'est un long séminaire qui peut nous prendre même 2 semaines. Ça peut nous prendre 2 semaines, bien-aimés. Et pourtant, le dimanche, nous allons commencer un autre séminaire qui va nous prendre tout le temps. Nous parlerons de la délivrance des malédictions. La délivrance des malédictions, c'est tellement vaste, bien-aimés. Alors, je ne voudrais pas commencer un autre séminaire et mettre ce séminaire sur les limites en pause. C'est pour cela que j'ai jugé, comme on avait juste commencé, c'était l'introduction, arrêter et nous allons y revenir après. Nous allons revenir avec le séminaire sur la destruction des limites après. Mais pour l'instant, bien aimé, je pense prendre des thèmes comme ça, des thèmes qui ne sont pas des séminaires, mais juste des thèmes que nous allons aborder. Donc, nous allons aborder certains thèmes, bien aimé, comme aujourd'hui, je pense, vous l'avez déjà constaté, notre thème, c'est un nom effacé. Un nom effacé. Un nom effacé. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire le thème d'aujourd'hui? Un nom effacé. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Aurélie, que Dieu te bénisse. Aurélie Tanga Binzunga. Salut à notre papa. Dis-lui, je l'aime beaucoup. Que Dieu le bénisse. Alors, un nom effacé. Écrivez-moi le thème bien-aimé. Le thème d'aujourd'hui, c'est un nom effacé. Écrivez-la. Un nom effacé. C'est notre thème d'aujourd'hui. Ce n'est pas un séminaire. J'en parlerai seulement juste aujourd'hui. Demain, je vais aborder notre thème et ainsi de suite. Voilà, bien-aimé. Un nom effacé. Un nom effacé. C'est un enseignement qui va vous faire du bien, bien-aimé. Et on trouvera du temps pour pouvoir prier. Donc, nous allons passer aussi du temps dans la prière. Donc, nous allons d'abord étaler la matière. Et après, nous allons prier. Que quelqu'un m'écrive notre thème d'aujourd'hui. C'est un nom effacé.
un nom effacé. Le nom de qui est effacé, bien-aimé? Nous tous, nous voulons que notre nom, bien-aimé, soit toujours quelque part. Mais il y a des noms qui sont effacés. Donc voilà, merci Aurélie, que Dieu te bénisse. Comme à l'école, comme à l'école, comme à l'école, les stickers comme à l'école. Donnez-moi les stickers comme à l'école. Un nom effacé. Écrivez, écrivez. Jusque-là, j'ai vu qu'Aurélie qui a écrit. Écrivez, bien-aimé, un nom effacé. Un nom effacé. Qui a effacé ton nom? Qui a effacé ton nom? Un nom effacé. Un nom effacé. Écrivez-moi, bien-aimé, le thème. Un nom effacé. C'est un très bon enseignement, bien-aimé. Ça va vous faire du bien. Un nom effacé. Kombo moko ba boma. Un nom effacé. Merci, Mama Siska Kimia. Merci, Aurélie, pour le sticker. Que Dieu vous bénisse. Un nom effacé. Voilà, bien-aimé, ce que nous allons aborder aujourd'hui. Un nom effacé. Un nom effacé. Alors, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans 1 Samuel 16. 1 Samuel, attendez, attendez, qu'est-ce que vous écrivez? 1 Samuel 16. Du 7e verset, 1 Samuel 16, 7 à 13. 1 Samuel 16, verset 7 au verset 13. 1 Samuel, écrivez les références. 1 Samuel 13. Et 16, pardon. 1 Samuel 16, du 7e verset au 13e verset. 1 Samuel 16, merci, merci Aurélie. Que Dieu te bénisse. Je vois aujourd'hui tu es très en forme Aurélie. C'est très bien. 1 Samuel 16. Du 7e verset au 13e verset. Un nom effacé. Hey, si on a effacé le nom, ce n'est pas moi. Moi, mon nom, personne ne peut l'effacer. Puisque Dieu a dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Voilà. Un nom effacé. Alors, bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Attendez, 7. Ok. 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 7 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention. Oh, attendez, 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 attendez. Ah non, on commence par 6, hein? On commence par 6. Pour bien comprendre le contexte. On commence par 6. 1 Samuel 16, au lieu de 7, nous lirons 6 à 13. Puisqu'il faut bien comprendre le contexte. Si on commence directement à 7, ce n'est pas bon. Alors, je lis au nom de Jésus à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, c'est lui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa taille, grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il appela Abinadab. Il appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit,
L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un les chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Verset 12. Isaïe envoya quelqu'un les chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et les consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ses jours, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Bien-aimé, je voudrais que tu acclames très très fort, que tu acclames le Seigneur très très fort. Que Dieu te bénisse, ma fille Titi Kapinga Tingani. Que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, bien-aimé, nous venons de lire un texte que nous connaissons. C'est un texte que nous connaissons déjà. Nous tous nous connaissons. Mais j'ai dit, bien-aimé, le même texte, mais il y a plusieurs révélations dedans. Que Dieu te bénisse, évangéliste Charlène, évangéliste Tétin Sibou. Que Dieu vous bénisse, évangéliste Mimi la gloire. Bien-aimé, le même texte, mais plusieurs révélations. Cette histoire de l'onction de David, nous les connaissons nous tous, bien-aimés. Nous connaissons cette histoire que David a été rejeté pendant que les frères festoyaient à la maison. Lui n'était pas là, puisqu'il était rejeté dans la maison de son père. Lui, il était en brousse pour garder les brebis pendant que ses frères mangeaient, pendant que ses frères allaient à l'académie militaire pour apprendre l'art de la guerre, mais lui, il était dans la brousse. Ça, c'est une chose que nous connaissons, bien-aimé, mais laisse-moi te donner une révélation aujourd'hui, bien-aimé. Si tu lis bien les textes, tu verras ceci. Quand Samuel est entré dans la maison d'Isaïe, ils se sont mis à parler, j'imagine. Peut-être ils étaient au salon et deux en train de parler. Alors Samuel explique à Isaïe que la raison de ma venue dans ta maison est que Dieu m'a envoyé pour oindre un de tes fils. Mais je ne connais pas lesquels, puisque Dieu ne m'a pas désigné c'est qui. Est-ce que tu as combien de fils? Bien-aimé, ils ont parlé. Alors, il arriva le temps, bien-aimé, où on devait oindre le roi. Comme naturellement, Isaïe a appelé son premier-né, qui est un bon militaire, un bon soldat. Il avait une belle taille, bien-aimé, et il s'appelait Eliab. Quand il a appelé Eliab, Eliab est venu, papa, viens, il y a une bonne nouvelle pour toi, puisque Dieu a envoyé son prophète pour oindre quelqu'un ici chez moi à la maison. Naturellement, c'est toi mon héritier, c'est toi le premier-né. Mets-toi là-bas, on va te oindre. La Bible dit, au moment où Samuel voulait le oindre, Dieu a intervenu. Dieu a dit à Samuel, non, pas lui. Lui, je l'ai déjà rejeté depuis longtemps. Vous voyez le physique, mais moi, je vois le spirituel. Je l'ai déjà rejeté depuis longtemps. Bien-aimé, la Bible dit, là nous sommes au verset 8. Écoute le verset 8, bien-aimé. Dans le verset 8, on nous dit, Isaïe appela Abinadab. Bien-aimé, quand on appelle par les noms. C'est pour ça même Dieu dit, je te connais par ton nom. Bien-aimé, les noms servent à identifier une personne. Est-ce que quelqu'un peut écrire cette définition, bien-aimé? Les noms servent pour l'identification d'une personne. Comme ça peut être une chose, ça peut être un animal, mais les noms servent à désigner.
Vous pouvez être 1000, mais quand on cite ton nom, tu dis, ah, c'est moi. Donc, le nom désigne une personne. La Bible dit dans le verset 8, après que Dieu ait refusé l'onction sur Eliab, la Bible dit, Isaïe appela Abinadab, qui était son deuxième fils. Naturellement, bien-aimé, si le premier fils rate la bénédiction, c'est le second qui va venir. Bien-aimé, il appelle le second fils. Dieu refuse. Il appelle le troisième, qui s'appelait Shama. Shama, Shama, viens. Shama, Shama, viens. Bien-aimé, Shama, viens. On veut le oindre. Dieu dit non, pas lui non plus. On appelle le quatrième, on appelle le cinquième, on appelle le sixième, on appelle le septième. Bien-aimé pour Isaïe, le papa, c'était fini. C'était fini, bien-aimé. Et pourtant, il avait un huitième fils qui s'appelait David. Donc, si vous pouvez comprendre, bien-aimé, c'est par là que nous avons tiré notre thème. Un nom effacé. Le nom de David était effacé, même dans la mémoire du Père. Même dans la mémoire du Père, il fallait que les prophètes insistent. Pour le Père, il n'y avait plus d'autres noms. Il a donné tous les sept noms, mais le nom de David n'était pas là. Bien-aimé, le nom effacé, un nom effacé. Oh, quelqu'un peut me dire un nom effacé. Un nom effacé. Un nom effacé, bien-aimé. Le nom de David était effacé. David, bien-aimé, ne savait pas quoi faire. David, bien-aimé, il était dans la brousse. Il ne savait pas qu'on le cherche là-bas. Mais personne n'a mentionné son nom. Personne n'a parlé de lui. Oh, bien-aimé, je voudrais que les souvenirs de ton nom reviennent dans la tête des personnes qui vont te faire du bien. Comme ce fut le cas pour Mardoché. Le roi avait oublié le nom de Mardoché, la personne qui l'avait fait du bien, la personne qui l'avait sauvé du coup d'état. Mais un jour, bien-aimé, ce jour-là était arrivé. Le roi n'a pas dormi la nuit. Le matin se réveille. Bien-aimé, il cherche Mardoché. Oh, qu'on te cherche là où on a effacé ton nom. Là où, bien-aimé, on a oublié ton nom. Oh, qu'il ne puisse pas avoir de sommeil. Qu'il puisse se rappeler de toi. Qu'il soit mal à l'aise, bien-aimé. Qu'il soit mal à l'aise partout où on a effacé ton nom. Qu'il soit mal à l'aise au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'ils se rappelleront de toi. Oh, bien-aimé, un nom effacé. Qui a effacé ton nom, maman? Qui a effacé ton nom, papa? Normalement, depuis longtemps, tu devais être loin. Tu as des amis aujourd'hui qui sont dans le gouvernement. Des amis qui sont bien placés. Des amis qui peuvent te pistonner. Puisque, bien-aimé, dans le monde, Dieu bénit l'homme au travers de l'homme. Mais, bien-aimé, si Dieu bénit l'homme au travers de l'homme, mais cet homme-là qui peut être un canal par lequel Dieu veut te bénir, s'il oublie ton nom, si ton nom déjà est effacé, comment est-ce qu'il se souviendra de toi? Comment est-ce qu'il se souviendra de toi? Oh, bien-aimé, que ton nom soit sanctifié, que ton nom reste gravé partout où Dieu l'avait écrite. Que ton nom reste gravé partout où Dieu l'avait écrit, bien-aimé. Qui a effacé ton nom? Pendant que la maison festoyait. Et pourtant, la raison de cette fête, c'était David. Puisque le prophète Samuel était venu chez Isaïe à cause de David. Il était venu, bien-aimé, pour chercher David. Mais David, dans cette maison-là, son nom était effacé. Que ce soit le père, que ce soit tous les enfants, personne n'a mentionné le nom de David. Personne, bien-aimé, personne n'a mentionné le nom de David. David, bien-aimé, il était oublié, même dans la mémoire de son père. Il était oublié, bien-aimé. Qu'on ne t'oublie pas, bien-aimé. Laisse que ce Dieu-là qui est le maître des temps et des circonstances puisse, bien-aimé, faire surgir, ressurgir ton nom, comme on a ressurgi le nom de Joseph. Joseph, bien-aimé, il a fait du bien à les chansons du roi Pharaon. Mais le roi Pharaon, les chansons du roi Pharaon, a oublié le nom de David. Il a oublié le nom de David. Mais Dieu,
Il a dit non, le nom de David ne peut pas, pardon, pas David, Joseph. Le nom de Joseph ne peut pas être oublié. Il doit être effacé. C'est pour cela que Dieu lui-même descend dans la maison, dans le palais royal. Il va bien aimé créer une circonstance là où le nom de David de Joseph va ressurgir. Que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qu'il crée les circonstances bien-aimées afin que là où ton nom devait être cité, on l'a effacé ou on l'a oublié, que ton nom puisse ressurgir. Bien-aimé, cet homme-là, les chansons diront, « Oh roi, je connais un homme, il s'appelle Joseph, il est en prison. » Oh Joseph, son nom bien-aimé était cité devant le roi, Ton nom doit être cité, bien-aimé, là où il y a des grandes choses, là où il y a l'élévation, là où il y a la grandeur. Oh, bien-aimé, écoutez-moi. On efface le nom de David dans la liste des bénédictions, puisque la venue de Samuel, c'était une bénédiction, il était venu oindre les rois. Mais bien-aimé, tous se sont présentés, tous on a cité leur nom, mais sauf le nom de David. Mais s'il faut la bassesse, s'il faut bien aimer la médiocrité, c'est là où on a écrit le nom de David, bien aimé. On a écrit le nom de David là où on doit faire le travail pour servir les autres, pour amener à manger pour les frères, pour garder les brebis, pour aller dans la brousse. C'est là où, bien aimé, on n'efface pas le nom de David. On va écrire le nom de David là-bas. Mais là où il y a la bénédiction, là où il y a des fêtes, bien aimé, le nom de David n'est pas dedans. Oh, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, en tant que prophète de Dieu, j'efface ton nom dans la médiocrité. J'efface ton nom dans les réunions des sorciers. J'efface ton nom dans le travail médiocre. Bien-aimé, j'écris ton nom dans la liste là où il y a la gloire, là où il y a la célébration, là où il y a les fêtes, là où il y a l'élévation. C'est là où ton nom doit être figuré. Si tu crois à cela, dis « je reçois ». Estamika de Dieu dit je reçois. Qu'on parle de toi, bien-aimé, chez les grands, les personnes élevées en dignité. C'est là où ton nom doit être écrit, bien-aimé. Et ton nom ne doit pas être mentionné, bien-aimé, dans la liste des travail, des trucs. S'il y avait quelque chose à faire, bien-aimé, qui va laver les assiettes? Ah, mais appelez David, il est dans la brousse là-bas. Téléphonez-lui qu'il vienne laver les assiettes. S'il faut balayer la maison, David, mais qui va? Chama, qui va balayer la maison? Mais appelez David. Bien-aimé, le nom de David était écrit pour faire des sales boulots. Des sales boulots, c'est là où il y a le nom de David. C'est pour cela, bien-aimé, tu verras, les frères sur ton front, mais le père appelle David, viens David. Prends la nourriture, va ramener à tes frères. Bien-aimé, toujours des sales boulots. Non, moi j'efface ton nom. Bien-aimé, élève ta voix, commence à parler. Déclare que j'efface mon nom dans tout travail médiocre. Partout où il y a la médiocrité, j'efface mon nom. Dans les réunions des sorciers, j'efface mon nom. Dans les salles de travail, j'efface mon nom. Bien-aimé, tu tapes tes mains. Tu marches, bien-aimé. Oh, le signe de marcher veut dire tu vas aller de gloire en gloire. Commence à prier, bien-aimé. Et efface ton nom. Prends le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus-Christ. Commence à effacer le nom. Ton nom, bien-aimé, dans le réunion des sorciers, dans le registre des sorciers, là où il y a, bien-aimé, la bassesse, là où il y a la médiocrité. Et commence à effacer ton nom. Je fasse mon nom, partout où l'ennemi a mentionné mon nom, je le fasse au nom de Jésus, je fasse le nom de mon épouse, je fasse le nom de mes enfants, je fasse le nom de ma famille, partout où il y a la médiocrité, partout où il y a l'humiliation, partout où il y a la bassesse, partout où il y a la liste des registres des sorciers, je fasse mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des gens où on a mentionné leur nom dans la liste des personnes qui doivent être malades. Il y a d'autres, même leur nom est mentionné seulement dans le registre des gens qui ont l'esprit des morts. Non, bien-aimé, ça tu dois refuser. Ton nom, bien-aimé, doit être, puisque Dieu a dit, je rendrai ton nom grand.
Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Cela veut dire, bien aimé, là où il y a les grands, là où il y a la grandeur, c'est là où doit figurer ton nom. C'est là où doit figurer ton nom. Mais qui a, bien aimé, enlevé ton nom là où il y a la grandeur? Comprenez-moi cette histoire, bien aimé. Dieu lui-même, dans sa divinité, il décide que moi, je bénis David. David, il est l'homme selon mon cœur. Toi, Samuel, tu vas aller là-bas chez Isaïe, puisqu'il est le fils d'Isaïe, tu vas aller le oindre. Tu vas aller le oindre, puisque Dieu dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Bien aimé, Dieu dit, tu vas aller dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Le roi, c'était qui? C'était David. Bien aimé, les prophètes arrivent. Ils arrivent, ils organisent un festin sans David. Or, David était la raison de la venue du prophète dans cette maison-là. Et même le papa lui-même, dans sa sorcellerie, avait déjà effacé le nom de David dans des fêtes, le nom de David dans l'élévation, le nom de David dans la grandeur. Il avait déjà effacé le nom que cet enfant-là ne peut pas devenir grand. Cet enfant-là ne peut pas devenir roi. Cet enfant-là ne peut pas se marier. Cet enfant-là ne peut pas entrer dans une banque. Cet enfant ne peut pas avoir le papier. Cet enfant ne peut pas être riche. Cet enfant ne peut pas être en bonne santé. Oh, qui a fait de telles déclarations? Qui a effacé ton nom, bien-aimé? Qui a effacé ton nom? Puisque ton Dieu bien-aimé a dit qu'il rendra ton nom grand. Donc cela veut dire, ton nom bien-aimé est mentionné là où il y a la grandeur. Là où il y a la grandeur bien-aimé, il y a des noms qui sont cités. Mais c'est papa bien-aimé, voyez la sorcellerie. Et quand nous parlons sur la sorcellerie, vous faites que parler de la sorcellerie. Mais c'est pour ça que tu es en train de souffrir. Puisque ton nom est déjà effacé. Ton nom est déjà effacé. On a écrit ton nom dans la liste de la souffrance. C'est pour cela, au moindre problème, tu es toujours en train de souffrir. Moindre problème, bien-aimé, toujours souffrance sur souffrance. Souffrance sur souffrance. Un nom effacé. Un nom effacé, bien-aimé, est interdit. Le nom de David ne pouvait pas être cité là où il y a de bonnes choses. Puisque son nom, en commençant par son père. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La personne qui a bien aimé commencer d'abord par effacer le nom de David, c'est son propre père. C'est son propre père. Et par la suite, toute la famille. Comment est-ce que vous, toute la famille, vous êtes à table en train de manger? Vous n'avez aucune idée sur un de votre frère qui n'est pas là. Bien aimé, ça n'existe pas ça. Ça, c'est seulement la sorcellerie. Ça n'existe que dans la sorcellerie. Lisons un texte, bien-aimé. Psaume chapitre 3, verset 2. Psaume chapitre 3, verset 2. Écris-le, bien-aimé. Psaume chapitre 3, verset 2. Comme on a eu fait tant à ma place, il y a Kembo Zali. Comme on a eu fait tant à ma place, il y a Kembo Zali. Puisque il y a un rendre comme on a eu grand. Dieu t'a promis l'élévation, la grandeur. Écrivez-moi, bien-aimé. Psaume chapitre 3, verset 2. Merci Aurélie Tanga, merci évangéliste Tétin Sibou, que Dieu vous bénisse. Psaume chapitre 3, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Bien-aimé, écoutez David et ce qu'il est en train de dire. David dit ceci, ô Éternel, vous comprenez, c'est une prière. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Maman, si on efface ton nom quelque part, donc c'est que c'est un complot. Ne parlez plus de lui ici. Lui, on l'oublie. Lui, c'est fini pour lui. C'est un complot, bien-aimé. David dit que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi? Bien-aimé, voyez d'abord. Il commence par Matthieu 10, 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est pour ça, vous verrez, bien-aimé, ce n'était pas seulement le père qui avait oublié le nom de David, mais c'était toute la famille. Toute la famille, bien-aimé.
Et tous étaient ligués contre David. C'est pour ça que David il dit, Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi? Ils sont contre moi, ils ont effacé mon nom. Ils ont effacé mon nom. Bien-aimé David se plaint. Il a dit, Seigneur, aide-moi. Maman, que Dieu t'aide. Tu as beaucoup d'ennemis, en commençant par ta propre famille bien-aimée. Cette histoire se passe dans la propre famille, la famille restreinte de David. La propre famille bien-aimée, la famille restreinte de David. C'est là où commence le combat de David. Et ce combat va le poursuivre partout, bien-aimé. Il va vaincre Goliath. Après avoir vaincu Goliath, que se passe-t-il, bien-aimé? Le roi Saoul demande, de qui est-il fils? Comment il s'appelle? Ah, tu ne le connais pas, roi? C'est David, le fils d'Isaïe. Bien-aimé, le nom de David qu'on essayait d'étouffer, qu'on essayait d'effacer, qu'on essayait d'éradier, qu'on essayait d'enlever, mais le nom là surgissait toujours. Oh, je déclare pour toi, que ton nom surgisse toujours, partout on cherchera à t'enterrer, partout on cherchera à effacer, à radier ton nom, que ton nom surgisse toujours bien-aimé. Les rois disent, oh, mais ce jeune homme-là, comment il s'appelle? De qui est-il fils? Joab va dire, oh roi, mais c'est David, le fils d'Isaïe. Toujours le nom, oh bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, si, comme Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Oh, laisse que tes ennemis te combattent. Mais bien-aimé, ils n'arriveront jamais, bien-aimé, à étouffer ton nom, à effacer ton nom. Puisque Jésus-Christ a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il dit, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Dieu, il connaît, bien-aimé, ton nom. Et il a dit, je rendrai ton nom grand. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit grand. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit cité, bien-aimé, parmi les gens qui sont élevés en dignité, parmi les gens qui sont élevés financièrement. Que ton nom soit cité là-bas, dans des réunions de ministres, au Parlement, qu'on cite ton nom. Qu'on cite ton nom. Oh, j'avais rencontré une femme là-bas à Paris. Comment elle s'appelle? En tout cas, ah, je vais chercher sa carte de visite. Bien-aimé, c'est ça. Oh, je voudrais même dire à quelqu'un, bien-aimé, cherche même à faire des cartes de visite. Fais des cartes de visite. Les cartes de visite, ce n'est pas seulement pour les riches. Puisque la carte de visite que tu remettras à quelqu'un, un jour, bien-aimé, Dieu va toucher le cœur de cette personne. La personne va, ah, j'ai même oublié son nom. Attends, j'ai sa carte de visite. Elle m'avait donné une carte. Elle va fouiller. Ah oui, elle s'appelle Christelle Mbunga. Ah oui, elle s'appelle Teresa Mungu. Ah oui, elle s'appelle Goudoul. Elle s'appelle Mimi la Gloire. Ah oui, bien-aimé, Dieu il fait toujours des choses comme ça. Quand les gens essaient de t'étouffer, d'effacer ton nom, Dieu lui-même crée des circonstances. Dieu lui-même il crée des situations. Bien-aimé, pour élever ton nom, pour élever ton nom. Tu es une femme de grandeur, tu es un homme de grandeur. Bien-aimé, même si aujourd'hui, on te fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps, ben, il y a un temps pour tout, puisque la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Imaginez, bien-aimé, David qui était dans la forêt, il était dans le palais royal, mais ses frères qui festoyaient dans la maison du père, où est-ce qu'ils étaient, bien-aimés? Mais la maison royale était réservée seulement à David. Personne, bien-aimé, n'a le droit d'effacer ton nom. Personne n'a le droit d'effacer ton nom. Toute la vie de David, bien-aimé, on cherchait toujours à effacer son nom. On cherchait à effacer son nom, bien-aimé. On va donner la sorcellerie à son fils Absalom, qui va se rebeller contre lui. Mais à la fin, bien-aimé, pourquoi Absalom s'est rebellé contre David? Il voulait tuer David. Il voulait tuer David pour qu'on ne parle plus de lui. Pour qu'on ne parle plus de lui, qu'on oublie son nom. Comme Jérémie a dit, qu'on oublie son nom, que son nom soit effacé sur la terre des hommes. Mais bien-aimé, c'était lui-même Absalom qui était mort. Oh, laisse que ceux qui cherchent à effacer ton nom, qu'eux-mêmes meurent, qu'on efface leur nom, bien-aimé, dans le registre des vivants, qu'on efface leur nom, qu'on parle d'eux dans le passé. Mais toi, ton nom est « Je suis comme ton père ». Puisque l'enfant reçoit le nom de son père,
Ton père s'appelle Je suis, donc toi aussi tu es Mimi, Je suis. Tu es Céline, Je suis. Tu es Guidine, Je suis. Tu es Thérèse, Je suis. Tu es bien-aimé, Je suis. Tu es Christelle, Je suis. Puisque bien-aimé, tu es encore là. Oh bien-aimé, même si un jour tu iras, mais tu iras après avoir accompli la mission que Dieu t'a confiée sur cette terre des hommes. Personne n'a le droit d'effacer ton nom, Azaël. Personne, Aurélie. Personne. Personne n'a le droit d'effacer ton nom. Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes. Il y a des femmes comme on a fait à David. David, on a enlevé son nom, Gertrude Keke. On a enlevé le nom de David. Là où il y a des fêtes, pour la royauté, pour l'élévation, on a enlevé le nom de David. On a effacé son nom. Mais par contre, on a pris son nom, on est allé mettre ça chez les Nil, les gens qui doivent faire des sales boulots. Les gens qui doivent garder les brebis, les gens qui doivent apporter la nourriture aux autres, les gens qui doivent seulement servir les autres. Mais lui ne devait jamais devenir patron. Bien aimé, on efface son nom et on va l'écrire dans un autre registre. Non, dis jamais, oh, écris jamais. Je refuse mon nom dans cette sale registre. Je refuse que mon nom soit figuré dedans. Je refuse. Bien-aimé, Banda Koboya Ozobondela, commence à prier en refusant. Bien-aimé, tout registre de bassesse, de médiocrité, de l'humiliation où on a écrit ton nom. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas taper les mains, tu marches. Tu refuses et tu effaces ton nom dans ce registre-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Où est-ce que, dans quel registre on a écrit ton nom? Dans le registre des femmes seules, des femmes divorcées, des veuves, on a écrit ton nom où? Où est-ce qu'on a écrit ton nom? Chez les femmes des chambres, chez les vigiles? Non. Dieu a dit, vous serez la tête, on est la queue. Dieu a dit, tu prospéreras à tous égards. Commence bien-aimé à refuser. Tu marches, tu claques les mains, tu déclares, je refuse. Et je prends le sang de Jésus, j'efface mon nom dans tout registre du diable où on a écrit mon nom. Je l'efface au nom de Jésus, où on a écrit le nom de mes enfants, où on a écrit le nom de mes parents, où on a écrit le nom de mon mari, où on a écrit le nom de ma femme. J'efface. Bernadette Mbala prie. Bon de la maman, bon ma combo na yo, na registre à ma bé, na registre à ma tuba koukoufa. Efface ton nom, Anikatai. Vas-y. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Allez, déclare-les. Dans le nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimé. Ceux qui résistent à la vie, ce sont des révolutionnaires. Un révolutionnaire peut naître bien-aimé dans une famille pauvre. Il dit, jamais moi je vais mourir pauvre. Jamais moi je vais être comme mon père, comme ma mère. Moi je dois changer l'histoire de ma famille. C'est un révolutionnaire qui refuse les dictats du diable. Bien-aimé, un révolutionnaire refuse les dictats du diable. David était un révolutionnaire bien-aimé. Il arrive au front pour donner à manger. Mais bien-aimé, quand il voit Goliath, quand il se renseigne, on lui dit, la personne qui va vaincre Goliath, cette personne va entrer dans le palais. Oh, David dit, mais moi, on m'a déjà oué un roi, moi, je dois entrer dans le palais. Malgré bien-aimé, que son frère Eliab ne voulait pas que David reste là-bas au fond. Mais bien-aimé, il s'est révolté, puisque c'est un révolutionnaire. Il dit, non, moi, je dois quitter cette vie. Moi, mon nom doit être parlé dans le palais royal. Moi, le roi doit parler de moi, puisque moi, je suis un futur roi. C'est pour cela, moi, je dois me battre comme Goliath. Bien-aimé, je voudrais que tu élèves ta voix. Comme David, bien-aimé, tu vas renverser tout obstacle qui est devant toi, qui empêche que ton nom soit rendu grand, que les gens puissent parler de ton nom. Bien-aimé, cet obstacle, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un groupe de gens, ça peut être des sorciers. Bien-aimé, ils ont dit que lui, il n'ira pas loin. Donc, on efface son nom dans la grandeur. Lui, il reste seulement plus bas.
bien-aimé, tu dois le déboulonner. Comme David a déboulonné Goliath, tu dois déboulonner tout obstacle, toute montagne, puisque Dieu a dit, qui es-tu Zorobabel? Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Commence maintenant à renverser tout Goliath, à renverser toute montagne qui s'est élevée devant toi pour empêcher que ton nom soit grand. Bien-aimé, commence à les renverser. Au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à renverser. Allez, renverse. Renverse toute Goliath, tout sorcier qui s'est élevé, qui s'est assis sur les registres là où il y a ton nom. Bien qui s'est assis dans les registres où il y a ta destinée. Commence à les renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bondela, bondela, bondela. Fais la prière, fais la prière, fais la prière. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, je renverse tout sorcier qui empêche que mon nom soit connu, qui empêche que mon nom soit cité parmi les grands. Je le renverse, que ce soit un homme ou une femme, tout sorcier qui empêche la gloire de Dieu dans ma vie, je les renverse, je les renverse, je les renverse, au nom de Jésus, tout sorcier qui empêche ton mariage, qui empêche, bien-aimé, ta fécondité, renverse-les, yeah, 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 renverse-les, 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 tout obstacle qui est devant toi. La Bible dit, qui est-il grande montagne? La montagne, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Bien-aimé, la montagne peut être un sorcier, un groupe de sorciers. Dieu dit, qui est-il sorcier devant Mikobachika? Tu seras aplani, puisque son nom doit circuler partout dans le monde entier. Qui es-tu pour empêcher que son nom soit élevé? Allez, commence à les renverser. Donne des ordres, donne des ordres. Au nom de Jésus, commande bien-aimé à tout obstacle de dégager de ton chemin, de dégager de ta vie. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bondela, bondela, bondela. Sans la prière, fais la prière bien-aimé. Fais la prière, fais la prière, fais la prière au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi mes chers amis. David, c'était un véritable enfant de la guerre. David, bien-aimé, il n'avait pas de secours. C'est pour ça que la Bible nous dit, j'élève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours ne me viendra que de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Puisque les ennemis étaient nombreux, en commençant par les ennemis familiales, jusque partout où il allait, bien-aimé. Il entre dans le palais royal. Mais dans le palais royal, que se passe-t-il, bien-aimé? Le roi Saoul cherche la mort de David, toujours l'enlever de cette terre des vivants. Après avoir vaincu le roi Saoul, bien-aimé, son fils Absalom. Non, 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 non. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. David, ce qu'il a sauvé, bien-aimé, c'était la vie des prières. C'est pour ça que vous verrez, bien-aimé, les livres des psaumes. David a écrit une grande partie des psaumes. Les psaumes, c'était des prières de David. Bien-aimé, c'était des prières de David. Voyez, bien-aimé, tous ceux qui ont cherché la perte de David, tous ceux qui ont cherché la perte de David, bien-aimé, ils ont fini mal. Saoul a cherché la perte de David. Il a fini très mal. Lui-même est mort. Absalom a cherché la mort de son père. Il a fini mal. Lui-même est mort. Oh, bien-aimé, la Bible dit, Apocalypse 11, verset 5, si quelqu'un veut vous faire du mal, que du feu sorte de votre bouche et consume vos ennemis. Tous ceux qui cherchent à effacer votre nom sur cette terre de vivants, bien-aimés, qu'ils reçoivent le feu. Tous ceux qui ne veulent pas que tu puisses enfanter. Tous ceux qui ne veulent pas qu'on puisse citer ton nom dans des banques. Tous ceux qui ne veulent pas qu'on cite ton nom, bien-aimé, là où il y a la joie, la grandeur. Bien-aimé, envoie-les le feu au nom de Jésus. Envoie le feu. Apocalypse 5, 11, verset 5 dit,
Si quelqu'un veut vous faire du mal, que du feu sorte de votre bouche et consume vos ennemis. Les gens qui ne veulent pas que, bien-aimés, vous puissiez même acheter une maison, que vous ne puissiez même pas avoir un bon travail. Bien-aimés, que du feu sorte de votre bouche et les consume au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu sur tous ceux qui sont en train de chercher de barrer mon chemin, de déranger ma destinée, qui reçoivent le feu, de déranger mon ministère, qui reçoivent le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, bénis la journée d'aujourd'hui. Bénis la journée, bénis tes enfants, bénis ton mari, bénis ta femme, bénis tes parents, bénis bien-aimés tes projets. Nous sommes pendant les vacances, bien-aimés. Si vous allez voyager, recommande ton voyage entre les mains du Seigneur. Recommande également le voyage des enfants entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus, Seigneur, je bénis mon ministère. Je bénis, Père, tout ce qui est à moi, mes projets. Seigneur, je bénis. Je bénis même la source de vie. Père de gloire, que ton nom soit élevé. Je te rends grâce, Père, pour tout ce que tu fais pour moi. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclame, acclame, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si tu as été béni, écris bravo Jésus-Christ. Si cet enseignement bien-aimé t'a fait du bien, écris bravo, bravo Jésus-Christ. Donne des cœurs, donne des likes. Je voudrais voir des bravo Jésus-Christ, bravo Jésus-Christ, bravo Jésus-Christ. Annette, Annette, bravo Jésus-Christ. Bernadette Mbala, Cécile Miemo, Tétin Sibou, Céline Congo, Christelle Mbunga, que Dieu vous bénisse, Aurélie Tanga, que Dieu te bénisse, Stéphanie, que Dieu te bénisse, Pam Sui, que Dieu te bénisse, Anikatai, que Dieu vous bénisse, tous les enfants de la guerre, nous disons bravo, bravo Jésus-Christ, et Gudul Mbemba, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés, bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Bien-aimés, je tiens à vous signaler que dimanche, nous commençons un nouveau séminaire. Il se pourrait que tu sois en vacances, mais connecte-toi simplement, bien-aimé, partout où tu seras, connecte-toi. L'Internet, aujourd'hui, c'est international. Donc, connecte-toi, bien-aimé. Même si tu es en vacances, tu prendras seulement une heure pour suivre les séminaires. Azael, que Dieu te bénisse également. Nana Lombo, que Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimés. Donc, dimanche, à partir de 13h30, nous commençons notre séminaire. Ça va nous prendre 15 jours de jeûne et prière. Tout à l'heure, je vais mettre les spots, bien-aimés, sur Facebook. Vous allez suivre les spots, bien-aimés. Je sais que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Aujourd'hui, à 22h, nous continuerons à parler sur la sorcellerie, bien-aimés. Derrière la sorcellerie, on trouve toujours partout. Même ce que nous venons de voir, bien-aimés. Qui peut effacer un nom? C'est un sorcier. C'est un sorcier. Que Dieu vous bénisse. Kombo na yo bien-aimé, ezala likolo, ezala galokola kake na matoya banguna na yo. Ata balingi ko yoka kombo no te, me kombo na yo yoka na kaka nanko, nanko, nanko. Voilà mes bien-aimés. Bon anniversaire à Joss, frère Joss, notre clavieriste. Nous lui souhaitons bon anniversaire à lui, bon anniversaire. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu lui donne une bonne santé, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'opportunités dans sa vie. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin. Bokende Kolonga. Rendez-vous, bien-aimés, n'oubliez pas, à 22h, soyez très nombreux, bien-aimés, à 22h, où nous allons continuer, bien-aimés, sur la sorcellerie. On va terminer vendredi. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi l'enterrement du papa de notre sœur Arlène, ça sera vendredi également l'après-midi. Vendredi l'après-midi. Donc voilà. Bokende Kolonga. Bakombo Nabino, ça va toujours au numéro 1. Kombo Nabino, toujours au numéro 1. Namoussala, numéro 1. Bakombo Moussouba, effaça bien aimé. Osala qui n'a examen bien. Okende Kombo limité. Ba effaça yango. Okende ko postule Namoussala, Kombo limité. Ba effaça yango. Nan yango effaça yango. Que Dieu vous bénisse bien aimé.
Soy a
Merci Seigneur.